connaissons ici, genre la naissance a été créée, ça fait 27 ans. Donc 27 ans qu'on s'est positionné sur la cuisine gastronomique et la cuisine créative. Donc tous les deux, puisque l'on en est, on partage tous les deux la créativité de notre cuisine. Oui, la créativité, la passion de la cuisine, toujours partagée. Et c'est ensemble qu'on a créé ce lieu avec un esprit jardin ouvert sur l'extérieur. Quelque chose de très méditerranéen qui nous correspondait. Ben, l'inspiration, c'est d'abord notre histoire, l'histoire de notre famille, ici, dans le sud de la France, en bord de Méditerranée, une ouverture sur les pays qui sont les pays d'Espagne, l'Italie, le Maroc, les pays qui ont tour cette Méditerranée qui a fait notre histoire. Et puis notre installation ici, où on a développé notre cuisine, notre propre cuisine, essentiellement faite à base de produits de région, mais avec toujours une connotation très créative. Très créative et très méditerranéenne, puisqu'on est très ancré dans notre pays, on est très attaché au bassin méditerranéen, et il y a cette cuisine où on ne sait pas cuisiner si on n'a pas du citron, si on n'a pas de l'ail, si on n'a pas des artichauts, la tomate, tout ça, c'est l'huile d'olive, c'est les éléments, notre base de la cuisine que l'on fait et que l'on aime faire. Nous, c'est beaucoup développé sur l'Asie, parce qu'on a ouvert notre premier établissement à Tokyo il y a 14 ans. Après, on a travaillé pendant 12 ans en Thaïlande, la Chine avec Shanghai, pendant de nombreuses années, Singapour, maintenant le Sri Lanka avec Colombo, et puis après, j'espère d'autres projets qui vont continuer à voir le jour. Je pense qu'aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs, le continent sud-américain est en train d'éclore au niveau de sa propre cuisine, de sa propre personnalité. Chaque pays a une personnalité de cuisine. Et effectivement, on sait qu'il se passe beaucoup de choses au Mexique. On a envie de découvrir et en même temps d'amener notre savoir-faire et de pouvoir partager notre savoir. C'est ça qui est intéressant parce que voilà, que ce soit auprès des chefs, auprès du grand public, au niveau des vins également, amener nos produits et faire découvrir notre cuisine au Mexique. On va bientôt venir vous voir, on va cuisiner avec vous et pour vous, mais j'espère que vous allez apprécier notre cuisine. Oui, mais je pense qu'on va partager beaucoup de choses, beaucoup de saveurs et beaucoup de connaissances. Venez nombreux nous voir.